Un beau bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors cette capsule, c'est avec les archanges. Ah, les archanges! Eh bien, les archanges sont des guides très puissants. Ils sont sages et aimants et ils peuvent nous motiver et nous apaiser de manière miraculeuse. Les archanges sont des anges tout à fait réels, puissants et non confessionnels qui supervisent, eh bien, les anges gardiens. Imaginez-les comme les gérants de nos anges gardiens. Les archanges sont des messagers qui relient le Créateur à ses créatures et qui nous aident dans tous les domaines de notre vie. Ils nous protègent, n'est-ce pas, et nous guident, amenant à chacun la paix sur terre. Parce qu'ils sont très puissants, les archanges nous incitent également, eh bien, à agir. Les archanges n'ont aucune restriction de temps ou d'espace. Ils peuvent donc se retrouver simultanément, eh bien, avec tous ceux qui les invoquent. Les archanges peuvent avoir, eh bien, des expériences et des échanges uniques et personnalisés avec nous tous. Chaque tradition religieuse et spirituelle possède sa propre doctrine par rapport aux anges. Nous pouvons faire toutes et tous appel à un archange. Nous n'avons pas besoin de prononcer de formules d'invocation, détenir une éducation ou une expérience religieuse spéciale, ni vivre une vie parfaite pour obtenir, eh bien, leur attention. Le seul fait d'invoquer le nom d'un archange suffit pour en appeler un à nos côtés. Les archanges sont heureux de nous aider en ce qui concerne notre vie quotidienne, n'est-ce pas? Puisqu'ils sont des êtres illimités, eh bien, vous n'avez pas à avoir peur de détourner un archange de problèmes plus urgents. Les archanges travaillent de concert avec nos anges gardiens pour apporter, eh bien, guérison, conseil et miracle. Merci de votre écoute. Merci pour votre écoute, de votre écoute. Je vous embrasse et puis on se retrouve pour une prochaine capsule. À tout bientôt. Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message, eh bien, de l'archange Michaël pour ce jeudi 6 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, la petite philosophie de ce matin, non. Apprendre à dire non, avec fermeté et douceur, sans se justifier et sans culpabilité, eh bien, permet de retrouver son libre arbitre, de conquérir une parcelle d'indépendance et de créer son propre espace de liberté. Ainsi, un non à bon escient est une promesse de bonheur.
Alors, notre archange Michaël, l'archange Michaël, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Le message, eh bien, abandonnez les inquiétudes, car il vous entoure, ce bel archange Michaël. Vous, vos proches, votre foyer et vos biens d'une puissante lumière d'amour. Et cette lumière, eh bien, elle repousse les mauvaises énergies et attire des expériences d'amour. Concentrez-vous sur cette belle lumière et cet amour plutôt que sur la peur, car vous attirerez l'objet de votre attention. Donc si vous avez peur, vous allez attirer de la peur. Si vous êtes maintenant souriant, souriante, vous allez attirer des personnes souriantes, souriantes. Attention aussi de ne pas vous égarer dans diverses, comment je vais dire, dans divers préjugés. L'esprit libre de peur, vous avez du temps et de l'énergie supplémentaire à consacrer à vos missions de vie. Si maintenant vous avez peur, ben là ça va être compliqué, n'est-ce pas? Si vous avez peur de prendre une décision, si vous avez peur, eh bien, de dire les choses, si vous avez peur d'avancer, tout ça, ça vous restreint dans votre mission que vous avez ici sur Terre. Vous savez, vous êtes libre, hein? Vous êtes libre quand vous n'avez pas peur, parce que là vous avancez. Sachez que vous êtes en sécurité en tout temps et que la protection de ce bel archange Michaël, elle est sans faille. Donc si vous avez une problématique, eh bien demandez à Michaël de vous aider, de vous donner des pistes par des messages, par peut-être une parole dans une chanson, peut-être un mot écrit sur un panneau, etc. Peut-être un rêve. Voilà, demandez-lui. Si vous ne demandez pas, il ne viendra pas à vous, n'est-ce pas? Il faut tous les archanges, les anges, il faut les solliciter, parce qu'autrement, ils ne viennent pas d'eux-mêmes. Alors, travailler avec l'archange Michaël, le rôle premier de ce bel archange Michaël est de chasser les mauvaises énergies de la peur. Si vous devenez inquiet ou anxieux, eh bien demandez mentalement à Michaël de vous apporter la paix. Vous pouvez aussi, eh bien, lui demander de débarrasser votre maison des mauvaises énergies, votre bureau ou votre communauté, voilà, des énergies qui sont toxiques. Vous pouvez aussi prendre une tresse de sauge, hein, et voilà, passer dans toutes les pièces avec cette tresse de sauge et demander à l'archange de Michaël d'être avec vous, hein, et de purifier les endroits où vous le désirez. Et après avoir fait appel à Michaël, eh bien, vous allez éprouver probablement une impression de chaleur
Et c'est parce qu'il a l'esprit fougueux, n'est-ce pas, du guerrier, ce bel archange. Et vous pouvez demander à Michaël d'être continuellement à vos côtés, puisqu'il peut, il peut être avec tous ceux qui font appel à lui simultanément. Et quand vous demandez quelque chose, n'oubliez pas qu'il faut y mettre de l'intention. Parce que si vous n'y mettez pas de l'intention, ben, il y a beaucoup de chances que ça passera à travers les mailles du filet. Voilà. Allez, je termine avec l'oracle des amoureux. Eh bien, aujourd'hui, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà le message de l'oracle des amoureux, du petit oracle des amoureux. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour le dernier message de cette semaine. D'ici là, portez-vous bien et moi, passez une belle journée et moi, je vous embrasse. À demain.